Alors du coup bah les mecs là j'ai pas encore publié la vidéo, elle est encore en train de sortir de Vegas quoi. J'ai pas encore publié la vidéo précédente. Mais en réécoutant putain mais on m'entend des fois on m'entend à peine parler. Et la musique elle est trop forte quoi, le volume est bien trop fort. Alors, tout à l'heure je disais, je pensais autant ils sont à peine penchés sur les OST dans les campagnes principales. Mais alors d'un autre côté, putain là ils se sont lâchés dans les mercenaires, putain ils ont fait un truc, une musique qui nous casse les oreilles. En plus, la vieille boucle trop casse-couille. Alors j'ai essayé de régler ça dans les options là, du jeu directement depuis le jeu quoi. En baissant de moitié la musique et puis un tout petit peu baisser un tout petit peu aussi les sons quoi. Le son de flingue, mitraillette et tout, parce que quand on écoutait la mitraillette, c'était même un peu fort des fois. J'ai l'impression. Bon, j'espère que ça va aller. Puis je vais remonter un tout petit peu le volume de la voix du microphone dans le menu PS4. Alors on va donc essayer ce Rick Grimes là. Putain, alors là, s'il est balèze comme ça, bon bah celui-là, je sais pas si j'arriverai à le terminer quand même. Parce que bon, après, si quand ça devient vraiment trop chiant, je laisse tomber quoi. Mais on va voir, on va voir. Ouais, c'est assez marrant qu'ils aient fait un flic comme ça quoi. C'est le petit clin d'œil, hein. Clin d'œil à The Walking Dead. Je vois pas ce que ce serait d'autre. Daniel Cortini. Ouais, ils ont inventé un petit truc, ouais, une petite storyline là. Petit personnage inédit, quoi. Bon, ok. Il a trop la même gueule là. Tu l'as Andrew Lincoln. Ah, ils l'ont fait bien ressemblant. C'est marrant ça. Oh putain, ouais, bah si ça soupe direct, attends, ouais. Qu'est-ce que j'ai de beau là? J'ai un mélange avec les trois herbes. J'ai un flingue infini. Pistolet semi-automatique. Ce modèle fait partie d'une série limitée à 5000 exemplaires. 9 coups de 9 mm. Boum, bah, j'ai. Bah oui, putain, où je vais. J'ai un petit compteur là. Un compteur de zombies que je déglingue. Mec, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du mal à comprendre. Bon, on va le faire lui. On va se le faire lui. Qu'est-ce que... D'accord, il est disparu comme ça le truc. Ils arrivent à la file, c'est... Ils arrivent tous à la file comme ça, j'ai l'impression. Ah ouais, tiens, il y en a 4. Ouah, d'accord, putain. Du mal à bien me repérer avec le viseur blanc et la lumière, c'est chaud quoi. Ah ouais, pour s'entraîner au tir, ça peut être pas mal. J'espère qu'ils viennent pas derrière, sinon je suis bien quoi. Pff, ouais, ils reviennent là encore. Oh putain! Attends, je vais quand même prendre mes machins là. Bon... Ouais, bon. Je sais pas ce que c'est, hein. Merde! Oh! Fils de... Tiens, j'ai rien trouvé de mieux à faire, ça. Et limite tout le monde est content comme ça, non? Ah, chaud, chaud. Laisse tomber! Comment c'est trop chaud? Wow, sa mère à poil!
Tiens, je te collerai quand même ça. J'ai l'impression que j'en ai derrière. Je sais plus donner de la tête. Fusil électrique. Oh putain, je sais plus comment on se sert de cette merde. J'ai jamais supporté cette merde. Cette merde de fusil d'arme de merde. Bon, ok, et après? Non? Attends, je recharge. Attends, attends. Allez! Mais c'est dingue, ça. Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux vous renseigner? Vous désirez... Wow, attends, 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 attends. Oh, merde. Danger. Je suis en danger. Alors, on va peut-être manger un truc. Bon, bah, autant bouffer ça. Bon, j'ai encore un petit peu de... cette dope de truc, là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ah, c'est cool, hein. Oh, merde. Genre de truc que j'aime bien, ça. Ah. Ça, c'est pas mal. Oh, putain. Allez, ah, ça va être Hollywood, les gars. Oh putain. Oh la vache. Je suis en attention, même pas, ça va. Bon, ils sont où les bâtards? Oh merde. Ah mais putain, ils m'ont baisé là. Ah non, je suis pas empoisonné. Oh putain, à côté, dommage. C'était même ridicule, hein. Bon, d'accord, attendez les gars, attendez. J'suis toujours pas empoisonné. J'ai pas l'impression. Waouh. Oh. Merde. Alors, Rick. Oh non, putain, j'étais bloqué par les tasers. Ah merde. Ok, 24. 24 guignols. La caméra, s'il te plaît, elle suit plus. Ok, c'est la fête. Je sais plus s'il m'en reste encore du truc là. Bon, je vais en immobiliser 2-3 parce que... Oh merde. Pas très bien là quand même, hein. On n'est pas très bien. Il y avait un sac, mais il va falloir que je les feinte un peu parce que laisse tomber là. Putain, cours, bordel. Ouais, merde. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. C'est laquelle? À droite. Et merde. C'est nimp, hein, les gars. Bah, c'est vraiment strange, ça, j'ai... Mais ouh, ouh, ouh. C'est vraiment strange, je suis jamais empoisonné. Merde, à côté. Putain. Tu vas claquer. Mais regardez, je fous tout à côté. Merde, ah là là. Ok.
Et elle est pas morte. Elric. Salope. Oh non, putain, j'aurais dû frôler plus l'étagère. Ah bah 29, putain. Bon voilà. Ouais, en fait c'est que ça quoi. C'est que ça, bon c'est vraiment du shoot quoi. 29. Ok. Bon, ça peut être sympa, ouais. Si jamais... Faire un petit record là. Vous me direz combien vous avez fait, petit abonné, si vous vous en rappelez, pour votre premier coup, tiens. Ça peut être marrant, ça. Et alors, c'est ça que j'avais vu. Parce que là, on a 4, donc les 4 niveaux mercenaires qu'on a fait. Il y a les niveaux de difficulté qui sont notés par des étoiles. Mais ça, c'est quoi, ça? Le quatrième survivant. Il y a que dalle. Bon, bah, je le lance... Ouais, on va le lancer maintenant. On va bien voir. D'accord, y a une cinématique là ou quoi? C'est ouf ça. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk. This is Hunk from Alpha Team. Ok, bon bah ça c'est Hunk. Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... I'm at point K-12. Need info on my extraction. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? My extraction point. Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Got it. Bon, alors il va falloir qu'on rejoigne l'entrée du commissariat. Qu'est-ce qu'on a... Oh la vache, on a un paquet de trucs là. Il nous laisse faire les mélanges. Donc c'est du mag, hein. Putain la vache. Et... Mais il n'y a pas de niveau de difficulté par contre, donc on sait pas, pas trop ce qui se passe quoi. Regardez toutes les armes qu'on a en plus, mais attends, mais ça doit être à mort difficile quoi. Ouais, bon... Déjà faire ça. Ok. Bon, on y va à l'arrache. On va faire une tentative comme ça pour voir comment ça se passe, jusqu'où je vais, et puis un petit peu comment ils ont fait leur niveau là. Mais bon, voilà, comme ça on aura eu un aperçu quand même de tout ce qu'ils ont fait. Et après, je pourrais passer à autre chose. D'accord. Donc, on est dans les égouts. Ils nous ont refait une musique. Et j'espère qu'elle va pas être aussi casse-couille que la précédente. La boucle à la con, là, parce que... C'est pas nous aider pour le die and retry, ça, hein. Vraiment. Hein. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, alors je suis obligé de descendre. J'allais dire, il n'y a rien d'autre à prendre, mais enfin, avec tout ce qu'on a dans l'inventaire. Ouais, il va peut-être y avoir. J'ai pas de flingue électrique. Pas de lance-grenade. Bon, on va y aller comme ça. Bon, il y a des Mongols, hein, comme d'habitude. Ça, je sais pas du tout si on pourra s'en servir. Ta gueule. Bon, ça a l'air d'être un peu plus orchestré que la précédente Zik. Bah, ça rappelle les musiques... les musiques... Mais putain, tu vas me laisser parler, quoi. Les musiques qu'ils ont faites pour les boss... Pour les boss... bah, les Birkin, quoi. Les seules musiques qui sont excellentes d'ailleurs, de tout le jeu. Musique totalement originale.
Et bon, par contre, on peut pas leur retirer, elles sont vraiment excellentes. Celle du tyran aussi. Bon, on va peut-être pas s'emmerder à flinguer avec des zombies parce que. On est pas prêt de finir quoi. Il va y avoir un pétzouille là. Non, ils sont pas mis les gros monstres. Eh hey, putain, il m'a chopé les pattes. J'ai réussi à monter, il m'a chopé les pattes. Excellent quoi. Ouais bon bah ça c'est le gros recyclage du niveau de Kendo en fait. Oh, je sais pas si ça va être aussi balèze parce que ça c'est un passage qui est vraiment balèze chez Kendo. J'en ai chié à le passer ce truc. Oh des clébards. D'accord. Bon. Bon on va les avoir au fusil tiens. On va se les péter au fusil les bâtards. À moins que... Allez, vas-y. Putain, comment il a bloqué le truc. Ok, il y a des gilets jaunes qui ont faim, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire. Il y a pas d'énigme, là, à faire. C'est juste pas possible. Strange, strange, strange. Ah, il faut prendre la porte. Certainement prendre la porte. Oh putain. Allez vas-y tire-toi. La vache j'ai cru qu'elle allait me choper encore. Ah la vache j'aurais pas dû ranger le pétard moi. Oh là 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 là. Laisse tomber le passage. Trop chiant encore. Tiens. J'espère que tu aimes les grenouilles. Ok. Ça a dû péter un petit peu. Ouais d'accord. Ça n'a pas remonté mon Energizer vraiment jusqu'au bout là. Merde. Faudrait que je chope une piole plante verte s'il y en a une. Et puis ben voilà. Bon, on a quand même pas mal de trucs mais c'est les mêmes passages quoi. C'est ça que je trouve un petit peu c'est un petit peu dommage quoi. Surtout que ça on l'a déjà fait même dans le niveau de Kendo. C'est un petit peu con ça. Là-bas, ça va être fermé encore. Ouais, on peut rien en faire de ça. Je sais pas si. Oh, y aura rien là-bas. Donc, j'ai même pas jeté un œil à la carte, quoi. Bon, y a rien du tout. Oh putain! Oh, l'autre, il était planqué derrière, quoi. Oh la vache! Alors là, je vous l'ai mise. Il me reste 6, hein, c'est ça. Encore un qui se planque ou quoi? Coup de pute, là. Coup de pute de chez Capcom. Ah bah, les v'là, les gros machins. Mais qu'est-ce que j'ai comme arme, moi? Ah bah tu me diras j'ai des grenades hein. Je crois qu'on peut s'en servir des grenades pour se sauver la life quoi. Ça parle d'en avoir besoin. Allez tiens. Donc on va avoir 5 coups hein. 5 coups qui peuvent nous sauver. Allez mec. Oh putain. Oh putain. Tu vois qu'on va là, en attention. En attention. Lui, je peux le passer.
Ah, vous voyez, tout ça, on l'a déjà fait, quoi. On l'a déjà fait. On a juste changé la skin du mec, quoi, pour l'instant. Puis avec un bon paquet d'armes. Ah, là, par contre, c'est fermé, maintenant. D'accord, bon. Alors, c'est pas par là, hein. C'est par là. Ah, d'accord, ouais. Bon, ça change un petit peu, là. Putain, mais il y avait... Ouais, y a rien du tout, hein, en fait. Ici non plus. Oh là là. Putain, j'aurais pas dû m'arrêter, hein. Ils peuvent pas ouvrir. Ah putain, ils peuvent ouvrir. Bon, allez, on va faire ça. Hein. On va faire ça, les mecs. Hein. On va rigoler un peu, hein, les mecs. Hein. Bah l'autre. Ah non, c'est bon. Vous avez pas juste changé de couleur. Oh putain, mais si, mais il a changé. Il a juste changé de couleur, celui-là. Allez, dégage. Allez, hop, boum, boum. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Eh oui. Je sais plus où je dois aller, hein, les gars. Il me reste combien là, des balouilles? Oh putain. Il va me niquer là. Il y a trop de lignes droites. Oh putain. Non mais non mais non mais. Mais j'ai rien fait moi monsieur. Attention Kawata. Oh putain l'autre mais il a à peine eu. Enfin il a rien eu du tout quoi. Avec de la chevrotine. Allez tire-toi. Oh c'est magnifique. Combien de balles? Deux cartouches. Cartouche de pompompe. Bon là on speed plus hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un liqueur au cul là. Pas un liqueur au cul. Eh merde. Bon allez vas-y je reprends ça. Et... Oh putain. Oh putain. Vas-y tirez-vous. Tirez-vous les mecs. Tirez-vous. Alors. Oh mais je suis encore ok. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il faut que je chope la sortie, la sortie, la sortie, putain, la sortie. Ils sont pas contents. Et ils sont pas contents. Bon, il faut que je me tire du parking ou... Ah, ça va pas être possible, hein. Ça va pas être possible, hein. Merde. Ah, oh, j'ai même plus une grenade. D'accord. Là-bas, c'est là-bas. Oh, putain. Oh, j'aurais dû bouffer, je crois bien. Ah, il se débat, on va y arriver. Par contre, faut que je bouffe. Oh, ils sont tous là, les bâtards. Eh merde. Bon, allez. Dès que je me relève, je fonce. Je fonce vers la porte. Alors, il y avait un truc vert. Putain! Alors qu'on se trompe pas. Oui bah ça doit être clairement, ça doit être tout droit quoi. Ah bah oui, on va remonter au commissariat. Oh putain mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais il tombe d'où celui-là, il sort d'où? Bon de toute façon j'ai plus rien à becter hein. Bon, il faut que je reprenne un peu de sang-froid là quand même. Parce que j'ai aussi. J'ai aussi du magnouille, hein, mon copain. On n'a même pas une petite herbouze là. Ce serait vraiment bienvenu. On peut pas aller fouiller dans le coffre du Léon.
coffre de la Claire, leur voler les trucs. Bâtard de chiasse. Bon bah je l'ai quand même eu, bâtard. Ça fait deux fois que je lui vise bien la gueule avec le mag. Oh oh. Je crois pas que ce soit par là. Eh merde. Bon, on va refaire le même coup, hein. Merde. Oh putain de... Oh la vache, merde. Vas-y, prends la porte. Merde! Ah putain, il m'a fait chaud! Ah, il m'a fait chaud! Bon, là par contre. Ah, je peux bouffer ça sans herbe verte, dis donc. Ouais, bon, je sais pas trop si ça va m'aider, hein, quand même. Putain, puis ils ont tout fermé. C'est quoi ce bordel? Ils ont tout fermé, quoi. Ah, oh, puis il y a l'autre mongol. Ah, j'aurais pu passer. J'aurais pu passer, le bâtard. Wow. Bon là, ça va être compliqué. Ah putain. Ça y est, je suis dead. Bon bah j'aurais atteint le commissariat quand même. Si ça peut me consoler. Bon. Enfin voilà, ouais on a fait le tour, on voit bien ce qui se passe, quoi. C'est dommage, vraiment dommage que ce soit pas une autre map qui ait été bossée, quoi. Parce que là finalement on se fait une fois la campagne principale, deux fois parce qu'il y a Léon et Claire, quoi. On fait ce passage encore une troisième fois avec Kendo, une quatrième fois avec avec Hunk. Enfin bon, il y a quand même du contenu, ça on peut pas dire le contraire, il y a quand même du contenu. Putain, et comparer les deux remakes là, entre le 2 et le 3, c'est pas le même contenu, hein, quand même, c'est clair que... Enfin voilà. Bon allez, on va arrêter ici, je pense, avec R2 Remake maintenant, et puis on va passer à la suite. Allez, je vous fais un petit béco partout une nouvelle fois, les petits abonnés.